fait mal. Ça, ça va être rigolo. Ah mon chéri, il a explosé. Oh merde. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous dire que ma soeur... Non, mets la voix. Je fais juste avec les lèvres et toi, tu mets la voix par-dessus. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui... Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème d'un coup. Bah, j'étais pas prêt, j'étais perdu. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo avec ma sœur, sauf que bah elle est de l'autre côté de l'écran, du coup, vous n'entendrez que sa jolie voix. On va faire une vidéo aujourd'hui. Je suis mi-figue, mi-raisin. Mi-figue, mi-raisin. Ça existe. Non, ça existe. Parce que ça va être une vidéo où je vais manger. Donc, ça, c'est vraiment trop cool. Mais je vais manger. Des mon chéri. Des mon chéri. Alors, il faut savoir que je mange vraiment de tout. J'aime tout ce qu'il y a sur terre. Mais il y a une seule chose que je déteste, c'est les mon chéri. Rien que l'idée d'y penser, c'est une catastrophe. Et du coup, comme je n'aime pas ça, je me suis dit que ça pouvait faire une petite vidéo challenge. Je vais vous faire une petite explication rapide et succincte des règles du jeu. Alors, ma sœur ici présente va me poser des questions de qui veut gagner des millions. Mais attention, elle va me poser que les questions du million. C'est clair ou pas? Vous savez la question super dure de la fin qui permet aux gens de gagner le million? Et ben, elle va me poser que des questions comme ça. Mais si je rate, je vais devoir manger une délicieuse gâterie. Du coup c'est parti, Rosalie va me poser la première question. J'ai extrêmement peur, surtout que j'ai vraiment beaucoup mangé. Enfin, je viens de manger des zézettes. Je vous jure, les zézettes ce sont des biscuits, ça existe vraiment. C'est vrai, c'est trop bon. J'adore ça. Sur terre. Oui bah c'est pas grave. Première question, j'écoute. Attention, je vous rappelle que vous avez 3 bonus. Ah oui, oh, on a oublié les bonus. Vous savez, dans le jeu qui veut gagner des millions, il y a 3 bonus. Il y a le 50-50, il y a l'appel à un ami et le vote du public. Petit problème, je n'ai pas de public. Et je n'ai pas d'amis. Du coup, nous avons supprimé ces 2 bonus et nous l'avons transformé en un seul bonus. Tu l'as fait avec les 2 bonus. Nous l'avons transformé en un seul bonus qui s'appelle très simplement Rosalie, je suis dans la merde, va chercher sur internet. Voilà. Je suis prêt. Première question. Attention, à quelle religion appartient la philosophie zen? Petit A, l'hindouisme. Petit B, le bouddhisme. Petit C, le taoïsme. Petit D, le judaïsme. Attention, c'est votre réponse. C'est Bouddha. Bouddha, Bouddha. Et oui, c'est Bouddha, oui. C'est Bouddha. Bouddha, bah l'hindouisme, non. C'est la mauvaise réponse, c'était le bouddhisme. C'est-il l'hindouisme, abruti, mais... Non, Rosalie, mais je t'ai dit Bouddha. Parce que c'est juste que j'ai confondu, mais je voulais dire Bouddha. Non, ça compte pas, ça compte pas. On va refaire. Je vais faire genre, je réfléchis. Non, arrête. Je sais déjà pas. Laisse-moi réfléchir. Non, en vrai, tu me l'accordes. Non, ok, bon, elle me l'accorde. Non, en vrai, je voulais dire bouddhisme, mais comme j'ai pas les réponses sous le nez. Comme il a pas de vocabulaire. Non, j'ai dit Bouddha. J'ai dit Bouddha, Rosalie. Je ne peux pas manger ça, donc tu me l'accordes. Non. Moi, je te l'accorde. Question 2. Bon, en fait, le mec triche. Je vais pas le dire. Bon, question 2. Attention. Êtes-vous prêts? Attention. Quelle vie a accueilli. Attention. Petit 2, attention. Oui, bah attention, ça fait 3 quarts d'heure. Vas-y, lis-moi la question. Quelle ville a accueilli le premier festival international du film en 1932? Petit A, Moscou. Petit B, Venise. Petit C, Berlin. Petit D, Cannes. 1932, donc c'était avant la guerre. Voilà, c'est tout. J'aurais tendance à dire Cannes, mais j'ai l'impression que c'est un piège. Attends, c'est pas encore ma réponse. J'hésite entre Venise et Cannes. Vas-y, je dis Cannes, tant pis. Attention, c'est votre réponse. Oui. Malheureusement, c'était Venise. Oh, tu fous ma gueule. C'est vrai? Oui. Tu devras donc manger un mon chéri. Oh, Rosalie, tu sais que je déteste ça en plus. Oh, l'odeur. Ah, ça sent super fort l'alcool. Je vais être bourrée si je mange ça. Attends, ASMR. Vous savez, je peux faire ASMR comme je suis, genre j'adore. Attention, ce qui va suivre est de l'ASMR. Bon, elle a fini, Maître Gourou, là.
Bon, c'est fini, on remballe. Oh, on entend du liquide. Mais c'est normal. Attends. Non, il n'entend pas. Très bizarre, et puis je secoue mon moumou en plus. 1, 2, 3, regardez bien la bouche. Oh, j'ai pas envie. Bon, vous avez dû pas arrêter de secouer le chocolat. Je sais pas, ça me déstresse. Le pourtour, encore ça va, c'est du chocolat, mais il faut pas que il je croque croquer, quoi. Ça me fait des frissons. 3. Ça me fait des frissons. J'ai pas encore croqué. 2. Oh, oh. Je vous apporte. Oh, mais bien, il y a vraiment une cerise. Je vous apporte un mouchoir. Ah non, c'est vrai, vous devez tout manger. Attends. Oh, j'ai pas pris de verre d'eau. Oh, mais bien, j'ai un aft en plus, ça brûle. Tu veux que je t'apporte un verre d'eau ou pas? Apporte-moi un verre d'eau et des zézettes. D'accord. Plein de zézettes. Avec un strip-teaser. Et une strip-teaser. C'est dégueulasse. Ah. Alors, je tiens à m'excuser pour les gens qui aiment ça. Pour moi, personnellement, le mariage du chocolat et de l'alcool et de la cerise, c'est dégueulasse. En plus, j'aime pas le chocolat noir non plus. Bon, elle arrive, cette stripteaseuse. Rosalie. Merci. Il reste plus de deux zézettes. Donc, je vais manger juste un bout. Et je vais garder l'autre bout pour plus tard. Ok, Rosalie, je suis prêt. Pour la troisième question. Déjà, moi, c'est Jean-Pierre Foucault. Je suis prêt pour la troisième question, Jean-Pierre Foucault. Attends, je prends juste un bout de zézette. C'est trop bon. Je comprends pourquoi personne n'aime ça. Qui a été le premier lauréat du prix Nobel de littérature? Petit A, un poète. Petit B, un dramaturge. Enfin. Petit C, un romancier. Petit D, un essayiste. Littérature, on dirait directement roman, mais non. Je pense que c'est pas bon. Moi je sais, on l'a étudié en français. J'hésite entre essayiste et dramaturge. Quelle est votre réponse? Tu t'es pris pour qui? Jean-Pierre Foucault. En plus, vous voyez pas, mais derrière elle fait les gestes, elle fait genre, quelle est votre réponse? Je vais faire... Non bah je peux pas faire le 50-50, putain c'est la question numéro 3. Dramaturge, je veux dire ça. Malheureusement c'est un poète. C'est vrai. Oh non mais Rosalie. Le fameux mon chéri. 1. Je compte jusqu'à 3. 1. Ah j'aime vraiment pas ça. 2. J'aime pas ça. 3. Je sais pas ce que je fais à mon coussin. C'est tellement dégueulasse que ça me donne des frissons. Oh. C'est pas bon. Vous voyez pas, mais il fait des trucs culots avec ses jambes. Il attrape ses pieds. Comme j'ai envie de faire comme ça, je sais pas pourquoi. Toutes ces fois où il m'a étranglé, tapé, là, je sens la joie de vivre. Quel enfoiré. Non, aujourd'hui, il m'a quand même fait manger une éponge. Je l'ai bien cherché. Je t'ai avalé, c'est bon. Ouais. Ah. Ta langue est dégueulasse. Et le bout de ma zézette de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a prêt? Je suis prêt. Quel élément chimique a été nommé d'après un nain souterrain maléfique? Un quoi? Un nain souterrain maléfique? Un nain souterrain maléfique. Un nain? Oui. Un nain? Oui. A. Le beryllium. 2. Le hafnium. 3. La tellure. 4. Cobalt. Pourquoi je comprends pas la question? Parce que tu es bête. Un nain souterrain maléfique. Mais elle est bizarre cette question. La tellure, non? Pas le cobalt. Si, la tellure, ça a l'air nul. Ok. C'est quel cobalt? Putain, faut que je mange un autre. Je t'assure, quand je crois qu'il y a de la liqueur. C'est normal. C'est des chocolats pour vieux. Un. Ah, j'ai un fou, je mange à un. Deux. Trois. Oh là là. Oh, c'est vraiment pas bon. C'est quoi le truc que tu détestes le plus au monde, Rosalie? Moi? Non. Je crois que le pire, c'est quand tu croques. Et t'as la cerise, tu sais, elle est imbibée. Dans la Grèce antique, on déconseillait aux femmes de participer aux Jeux Olympiques. Sauf à une épreuve. De quel sport s'agit-il? A. La natation. B. La course de char. C. La course à pied. D. La lutte. Moi, je dis la course à pied. En vrai, ça me dit quelque chose. Il n'y avait pas une femme qui s'était fait passer dessus par un char? Bah non, je t'allais dire pour un homme. Et après, à la fin, une fois qu'elle a gagné, elle a dit que c'était une femme. Mais je me rappelle plus. C'est dans un film américain, c'est vrai. La course de char,
ça voudrait dire qu'elle a le droit de monter sur des chevaux ou alors d'élever des chevaux ou un truc comme ça. Et vu qu'à cette époque-là, c'était pas trop la liberté qui était de rigueur, franchement, je dirais la lutte. Vas-y, attends, je me prépare. La réponse était la course de char. C'est une blague? Oh non, Rosalie. Mais attends, mais je suis vraiment trop nulle. Parce que j'ai pas l'impression qu'en plus ça soit vraiment très dur ces questions-là. Non, c'est pas dur. On peut transformer l'appel à un ami à « tu manges celui-là » parce que Rosalie, je sens que je vais exploser. Parce que moi je suis une bonne sœur et que je le laisserai jamais tomber, même dans les moments difficiles. Ça me fait peur aussi maintenant. C'est dégueulasse. Je t'assure, c'est pas bon, Rosalie. Ah ouais, je le sens. Excuse-moi. C'est mort, t'es dessus là. Rosalie, je t'assure, c'est vraiment pas bon. Je vais le manger pour toi. Oh. Oh mais non. Mais pourquoi t'as fait ça? Tu t'es donné un coup de poing. Alors, tu trouves ça bon? Franchement, honnêtement. Non, mais bon. Ça passe. Tu te fous de ma gueule? Même pas. C'est vrai? T'as croqué la cerise? Oui, je prends silence là. Tu vois? C'est pas bon. Hein. Moi, ça me fait des frissons tellement j'aime vraiment pas ça quoi. Non, moi ça passe, c'est juste que faut. Mais toi, t'aimes bien le chocolat noir aussi. Rosalie. Check. Non. C'est pas checker, mais je veux un câlin. Je sais qu'il aime mes câlins. Il aime mes câlins. Et pourquoi tu fais des câlins? J'aime pas ça. Ah, j'aime pas les câlins. Arrêtez! Ah, bouge. Attends, monsieur. Et tata, c'était con, tu vas me retomber dessus. Franchement, tu es une warrior. Sur 10, tu mets combien? Oh, mon chéri, au goût. 4. Ah, ouais, donc toi. Ça va, tu sais pas une punition d'en manger quoi. Putain, mais moi j'ai mis 0. Moi je mets 4 juste pour la texture. Genre le goût, je trouvais ça dégueulasse, mais le chocolat noir, juste la texture du chocolat noir, je lui donne 4 pour le chocolat parce que j'aime bien. Mais sinon, ce qu'il y a à l'intérieur, ça me dégoûte. Combien de mètres bordent le balcon? Les balcons, pardon. Les balcons. Petit A, 6. Petit B, 4. Petit C, 3. Ou petit D, 5. Je fais l'appel à un ami. Sérieux? Non, mais attends parce que... Elle est trop con, elle donne la réponse en clin d'œil, elle fait 1, 2, 3, 4, 5. T'as du coup 5. C'est la 6. C'est vrai? Oui. En plus je t'ai fait 6 clins d'œil, t'es trop pas doué. C'est très bien que je sais pas compter. Je vais faire encore un. Mais tout c'est moi, je t'ai dit 6. Tu m'as fait. J'ai rien compris en plus. Mais tu sais même pas tricher. J'ai pas fait exprès. Mais regarde, ma bouche peut même pas s'ouvrir. C'est pas drôle. Allez, s'il te plaît. Tu sais à quoi je suis en train de penser? Je suis en train de me dire, je prie pour qu'il y ait eu un problème à l'usine et qu'il s'est oublié lui et que dedans ça soit vide. J'ai plus de tête. Ok, cool. Ok. Là tu sais quoi, je suis motivée à bloc, j'en ai marre de perdre. T'as pas un truc pour que je me le foute autour là, je sens que je suis un warrior. C'est bon, je suis un putain de warrior. C'est Serpentard. Eh ben, ah ouais, non, moi je suis Gryffondor. J'ai fait le test et on m'a dit tout de suite, vous êtes Gryffondor. Non, on t'a dit t'es pouf merde. Non, on m'a dit t'es Gryffondor. T'as dit, est-ce que tu veux qu'on revoie ensemble la vidéo que t'as faite? Non. Question 7. En plus d'un index digital, quel est le mot utilisé dans chaque nouvelle version du système Android? A. Un nom de mer. B. Un nom de bonbon. C. Un nom de saison. D. Un nom amérindien. Pourquoi moi je suis sur Apple? Oh, ça lit. Ok, donc déjà je pense pas que ce soit des saisons. Parce que si c'est des saisons, il y en a que 4. Ça veut dire qu'au bout d'un moment ils vont devoir changer. Et ça nique leur identité. Bonbon, ça me paraîtrait cucu. Genre, oh, c'est la mise à jour réglisse. Daddy Sugar, n'importe quoi. Là, c'est bonbon. En plus, c'est Sugar Daddy. C'est pas Daddy Sugar. C'est un bonbon aussi. Moi, j'aurais honte si j'étais un PDG, genre, alors voici la nouvelle Sugar Daddy. Sugar Daddy. Non, donc du coup, pas les bonbons. Amérindien. Putain, c'est pas c'est les. C'est un nom de bonbon. Tu te fous de ma gueule. Vraiment. Putain, mais j'en ai marre. C'est tellement certain. Désolée. Tu me le rembourseras. Regardez un peu. Il était déjà comme ça avant. Putain, je l'ai envoyé sur mon ordi. Ça m'a brûlé.
Oh non, mais Rosalie, moi... Ah ça, c'est pour tout ce que t'as fait. Mais t'es une tarée. Ok. Ah oh, putain, Rosalie, j'arrive, je m'habitue pas. Ah, hein. Oh, ça me fait plus rire. Rosalie, quand j'ai créé le challenge, je t'ai dit... j'ai trop rigolé. Ça me fait plus rire du tout. C'est quoi? Bon, qu'est-ce qu'elle me fait? T'es censé me poser des questions, pas me faire écouter de la musique. Dans la vie, on fait caca. C'est tellement pas drôle, c'est rigolo. On fait caca. Oh, t'es chiant. Question de mérite. Ah, je me suis mis dans... Attends, je me suis mis dans le nez. Quelle île est nommée d'après un célèbre navigateur hollandais? Madagascar? Sumatra? Tasmanie ou Kalimantan? Moi je dis Madagascar. Et toi? Kalimantan, je sais même pas ce que c'est. Kalimantan, ça, ça s'écrit comment? K-A-I-M-A-N-T-A. Ok, trop compliqué, j'ai perdu le fil. Bah, allez, Madagascar, pitié. Madagascar. C'était la Tasmanie. Non, tu continues tout de suite la vidéo. Je suis ta productrice en chef. C'est-à-dire que si tu refuses. T'as 14 ans. Je m'en fous. Franchement, rien que parce que je suis un putain d'inculte, je mérite cette punition. C'est un peu sadomaso, ça. Oui, tu fouettes moi. Moi puanteur. Quoi? Dans les cassos. Ah, j'aime pas les cassos. Moi puanteur. Oh, je vais l'envoyer, je la mets dans ma bouche. Et là, eu. Je me suis niqué la dent. Tu sais la dent, là, qui est comme ça? Ben, c'est tombé sur elle. Oh, ça fait mal. Ça, ça va être rigolo. Mon chéri, il a explosé. Oh merde. Pas sur mon coussin. Sur ton coussin. Pas sur mon coussin. Attends, pousse-toi, je montre. Mais mon chéri, on va mettre un petit peu d'eau. Je m'en bats et puis tu vas me racheter. J'ai pas d'argent. Je m'en fous. Ça y est, t'es sérieux, tu prends pas soin des affaires que je te prête en fait. Mais non, mais Rosalie, c'est parce que je croyais que j'allais y arriver. Oh my god. Je peux voir l'intérieur. Yo, c'est une vraie cerise, regarde. C'est toujours moi qui fais le ménage ici. C'est toujours moi qui salis aussi. Ah oui, putain, faut que je nettoie l'oreiller aussi. Ah oui. Trois quarts d'heure de ménage plus tard, nous pouvons enfin continuer. Vu qu'il n'y a plus la colle, c'est moins pire, mais ça reste quand même dégueulasse. Il fait en plus, plus de chichi en fait, j'avais pas remarqué. La gueule. Ah, j'ai peur. T'as dit quoi? Ta gueule. Question 11. Pendant que je mange cette horrible chose. Comment appelle-t-on les bourdons qui ne construisent pas de nid et qui ne recueillent pas de nectar? Des cons. Des bourdons parasites, des bourdons fainéants, des bourdons de coucou ou des bourdons gypsy? Tu fais la gueule parce que je t'ai dit ta gueule. C'est trop ça. Dans deux réponses, parasites et coucou, il y a cette idée de... Ils sont incapables, ils vont se servir chez les autres, tu vois. Du coup, je partirais plutôt sur cette idée-là, parce que les bourdons gypsy, c'est raciste. C'est forcément entre coucou et parasite. Parce que s'ils ne font pas ça, ça, ils vont forcément se servir ailleurs, vu qu'ils sont pas capables de le faire. Coucou, le coucou fait ça, le coucou prend le nid des autres. Vas-y, j'y vais pour coucou. Putain, que j'ai au moins une réponse bonne. C'est vrai? Alléluia! Ils ont quand même fait l'effort de mettre une image avec une meuf qui est contente d'avoir une réponse bonne. ils ont mis l'image avec la mère. C'est bien ma fille, tu iras loin dans la vie. Ne culpabilise pas, au moins tu as donné à ton cerveau un bon entraînement. Poubelle. Oh, 1920? 1921? Arrête avec les questions, j'en peux plus des questions, j'ai gagné, c'est bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, franchement, c'était tellement pas bon que j'ai transpiré. Merci beaucoup Rosalie de m'avoir posé ces questions. Elle vient de me dire merci avec un élégant doigt d'honneur. Je vais finir comme ça, parce que je me sens beau gosse. J'ai eu 1 sur 11. Ah oui, je voulais aussi vous remercier beaucoup pour vos commentaires et vos partages, parce que ça m'aide, ça m'encourage beaucoup et ça m'aide à faire grossir un peu la chaîne. Donc merci beaucoup, c'est très gentil. Au revoir.
Je déteste les mon chéri, plus jamais j'en mange. Plus jamais je me dis, oh je vais goûter, je me souviens plus du goût. Plus jamais.